La plupart des gens sont de gauche parce qu'il y a eu l'accident Hitler. Après Tchernobyl, tout le monde est devenu anti-nucléaire. C'était la mode, l'effet de masse. J'échappe à cette bovinerie culturelle. Trop d'ambition, d'esprit critique, de recul, de fierté. Je pense que je suis de droite parce que plus personne ne veut l'être. Et j'ai tellement d'ambition que j'ai besoin d'avoir un maximum d'ennemis. Pour l'opinion, je suis le mal aujourd'hui. Je serai le bien demain. Ce que j'ai fait ne peut se juger qu'avec recul. Aujourd'hui, il y a crispation immunitaire, la bête égalitaire, blessée au gros sang, se défend, hurle sa peur, sa rage et sa douleur. Mais ça va refroidir et gangrener. Les gens se poseront des questions, s'informeront, certains réviseront leur jugement, se diront que finalement, tout au fond de leur petit moi apeuré par les dents de la machine, ils se sentent plus proches de Breivik que de ses ennemis. Ils seront prêts à basculer. Dans quelques décennies, nous gagnerons. Et je serai le héros de la nouvelle mythologie scandinave. Breivik, seul contre tous. Je destituerai leur culte du suicide. J'imposerai de nouvelles règles. Je commencerai par redéfinir le bien et le mal. Et je poserai la même question que le grand Bjornson. Qui ira donc compter les batailles perdues le jour de la victoire? C'est sûr, je ne serai pas le héros de cette génération de pédales qui accepte tout, n'a aucune imagination, aucune fierté, aucune volonté d'échapper au paradis morbide qu'on lui impose. Sur une île, on ne peut que tourner en rond ou se noyer. Rien ne me fait plus horreur que la passivité. Tous ces gens qui subissent, qui ne manifestent aucun désir d'agir ou d'exister. Les marxistes en ont fait leur fierté. Je dois admettre, la passivité touche aussi la plupart des nationalistes. C'est bien. Ils ont compris qu'ils se faisaient entuber. Et puis, ils regardent passer la décadence. S'en aller, notre gloire. Comme des vaches. Un train. Ils restent broutés chez eux, se désolent sur internet, s'énervent devant leur télé. Entre deux branlettes sur des sites de cul, ils passent leur vie sur les forums de discussion à se demander si c'est mieux d'être libéral ou antilibéral, sioniste ou antisémite, complotiste ou atlantiste, raciste ou culturaliste, chrétien ou athée. Ils ne font rien pour entraver la marche du futur qui nous tue. Ni ambition, ni fierté. Blatérer, déblatérer. S'inventer un courage virtuel. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Il faudrait, on pourrait, on devrait. Et que fait-on ? On pleurniche. On se dit que c'est vraiment injuste, que tout de même, ils sont vraiment trop méchants avec nous. Mais ce n'est que leur échauffement. Ils ne cesseront d'aller plus loin, de devancer nos pires cauchemars. Ils iront au bout. Ils ne peuvent faire que ça. Ce n'est pas notre colère honteuse qui les empêchera. Et la démocratie ne viendra pas nous sauver, ni nos amis Facebook, ni Dieu, ni un messie. Si on se sait en train de crever, on n'a pas le droit de seulement s'indigner. Ou alors, on est un enfant, on trépigne, on crie et on jette tout par terre. On fait sa petite crise devant les adultes qui s'en amusent. Si on a la volonté, nos seules limites sont physiologiques, notre quotidien intellectuel. Mon objectif n'était pas de rédiger une thèse de physique quantique. N'importe qui d'à peu près intelligent peut se procurer des armes et élaborer un scénario comme le mien. J'ai calculé que 0,1% des nationalistes étaient prêts à prendre les armes. Je sais maintenant que j'étais trop optimiste. C'est sûr, quand quelqu'un se bouge au milieu de cette nasse, c'est forcément suspect. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Confucius. Tant de gens veulent me détruire, jalousie d'un pouvoir que l'on n'a pas les moyens d'acquérir.
que l'on tente alors de détruire, comme un enfant piétine le château de sable de son voisin. Et in Arcadia ego. Cache un couteau derrière ton sourire. Anders Behring Breivik, 9. Il faut savoir prendre du recul. Les sites internet, amis comme ennemis, mentent la plupart du temps. Leurs sources, quand elles existent, n'ont pas pour but d'établir la vérité. Elles ont pour but de semer le doute, de grappiller des miettes de pouvoir. Ce sont des enfants qui ne peuvent exister qu'en piétinant la vérité. En semant ce même doute qui pousse beaucoup des nôtres vers les théories du complot. Admettre que tout est géré, maîtrisé et planifié par des gens qui savent tout et prévoient tout. Admettre leur toute-puissance. Ce sont des excuses que l'on donne à notre propre impuissance. Si seulement c'était leur faute à eux, ce serait un peu moins la nôtre. Oui, les Blancs veulent majoritairement que leur race disparaisse. Aucun sorcier ne les a envoûtés. Mais les troupeaux vont là où il y a de l'herbe. Toujours. En société, ça fait du bien d'être marxiste. C'est indispensable pour monter en grade. Ils font ce qu'ils font parce que ça paye bien. En parlant à Breivik d'une étude montrant que les conservateurs étaient largement plus heureux que les progressistes, j'ai vu son visage s'illuminer. Il m'a aussitôt livré sa conclusion. S'il constate tous les jours que la réalité n'est pas en accord avec ses caprices, le progressiste ne peut pas être heureux. J'ai enchaîné, évoquant d'autres études qui mettaient en évidence des différences cérébrales entre les conservateurs, plus aptes à discerner une menace, et les progressistes, plus aptes à gérer des informations contradictoires. La conclusion de Breivik fut tout aussi prompte. En clair, le conservateur perçoit les dangereux paradoxes du progressiste. J'ai ajouté que le progressiste se focalisait sur les choses plaisantes, alors que le conservateur se concentrait sur les choses désagréables. Là encore, j'ai tapé juste. Pendant qu'il joue à la balle sur Utoya, je passe mon temps à me documenter sur tout ce qui me débecte. C'est épidermique. J'aime m'affliger. On peut penser que j'ai agi uniquement pour le pouvoir. Mon idéal n'est pas un simple engagement de chanteur de variété ou de Miss Univers. Je ne veux pas sauver les baleines ni vacciner les Somaliens. Je veux sauver les miens, notre monde. Mon engagement est le seul à défendre une réalité objective. Le nationalisme est bien plus qu'un sentiment, une nécessité. La nation, c'est compétitif, autosuffisant. Ça peut se défendre, contrairement à la tribu. Quant à l'universalisme, il est impossible. Il nous faut des adversaires, des concurrents, des gens à détester, des rivaux à surpasser. Le nationalisme, c'est l'amour exclusif par un peuple d'un même sol, d'une même culture de lui-même. L'amour viscéral de la patrie, ça a sans doute des bases biologiques, territoriales, génétiques. Mais ça ne parle pas aux gens. L'amour est une délicieuse certitude qui nous pousse à révérer la Norvège, à nous battre et à nous investir pour elle. C'est bien plus puissant que tout totalitarisme. C'est comme ça que la Norvège traverse les siècles. Ce n'est pas un délire romantique, c'est une réalité. Sans le peuple que le marxisme s'efforce de détruire, rien n'est possible. En 2009, le Parlement bolivien a décidé que les indigènes vivant en Bolivie pouvaient se gouverner eux-mêmes s'ils le souhaitaient.
Il n'y a pas de différence entre les indigènes de Norvège et les indigènes de Bolivie. Pourquoi traiter les indigènes d'Europe comme un sous-peuple? Pourquoi deviennent-ils racistes quand ils défendent leurs droits et leur survie? Alors que les peuples indigènes, qui en font autant, sont admirés et soutenus, comme les Tibétains, les Boliviens, les Indiens d'Amérique. Comment peut-on applaudir la décolonisation de l'Afrique et justifier la colonisation de l'Europe? Je ne cherche plus depuis longtemps à pointer les failles logiques de l'ennemi. Il a le pouvoir, donc il impose sa réalité. C'est tout. Peut-on être fier d'être blanc dans un monde où les forts n'ont pas de pouvoir qu'en se soumettant? Et bien sûr que non. Nous écrasons tout. La morale égalitaire nous l'interdit. Seuls les ratés ont le droit d'être fiers. La légitimité tient à la couleur, au sexe ou au handicap. Moi, je veux rendre aux mâles blancs leur fierté de vainqueur. Je veux sauver la nation nordique, la nation blanche, la nation occidentale. C'est ça mon idéal. J'aime ma patrie, je méprise mes contemporains. Mais sans eux, seul, je n'existe pas. Une fourmi sans fourmilière. Si Jupiter était seul dans le néant, à quoi servirait sa force de marée? Si je n'avais pas de cause à défendre, pour qui passerais-je pour un fou? Et ce serait normal. J'ai d'autres ambitions. Je veux que la Norvège et l'Occident relèvent la tête au plus vite. J'espère que d'autres me suivront sans attendre. La morale marxiste est un cancer. Le temps est son allié. Breivik n'est pas le seul à penser du mal des travaillistes. Par contre, il est le seul à les tuer. Lui, l'enfant passif qui fuit le contact, anxieux au sourire fin et désarmant. Dixit, le confrère qui l'a examiné, à l'âge de 4 ans. Au procès, 28 ans plus tard, il a le même sourire. Le sourire est une arme. Le petit Anders l'a compris depuis toujours. Le sourire est la seule chose qu'on attend d'un enfant, d'une femme et même d'un ennemi. Ce réflexe inné est notre premier pouvoir. 17 petits muscles capables de tout changer. De nombreux témoins ont dit que Breivik souriait pendant le massacre, comme il sourit à son procès. Ce sourire est toujours le même. Celui qui a rassuré sa mère, ses amis, ses conquêtes, son voisin, ses psychiatres. Breivik est comme le chat du Cheshire. Il sait disparaître derrière son sourire. Ce sourire plane au-dessus des débats, attisant le ressenti des victimes, accroissant son sentiment de puissance. On peut sourire et sourire, et pourtant être un scélérat, disait Shakespeare. Contrairement à ce qu'il croit, Breivik n'est pas très compliqué à comprendre. Le problème est présent en lui depuis sa naissance. Dès son plus jeune âge, des psychologues l'ont cerné. Il a une enfance heureuse. Son principal regret, c'est le manque d'autorité dont il dit avoir fait l'objet. Il a passé la première année de son existence à Londres, où son père travaillait, à l'ambassade de Norvège. Le père a quitté le foyer familial quand le petit Anders avait un an et demi. Il ne s'en souvient pas. Il dit n'avoir aucun souvenir de sa petite enfance, avant l'âge de 4 ans. Elle... Il faut préciser que son père a aussi coupé les ponts avec ses trois autres enfants, Nina, Eric et Yann. Breivik n'a que des demi-frères et demi-sœurs. La quatrième, Elisabeth, la fille de sa mère, est celle avec qui il a vécu le plus longtemps et dont il est le plus proche. Elle vit aux États-Unis. Avant Utoya, Breivik lui parlait une fois par mois. Elle et sa mère ont eu bien du mal à élever le petit Anders. Il leur a rendu la vie impossible, à toutes les deux. Elles ont même été hospitalisées une semaine.
tant elles étaient fatiguées. Breivik estime que sa mère, percluse de conceptions laxistes, était logiquement dépassée. Il se définit comme un enfant agité, actif, féroce, fantaisiste, prévisible. Je l'ai fait réagir aux annotations des psychologues chargés d'étudier son cas en 1983. Anders ne joue pas avec les autres enfants. Breivik a répondu du tac au tac. Je voulais maîtriser le jeu. Je voulais qu'il joue à mon jeu. Anders a des difficultés à exprimer ses émotions. Cette fois, Breivik a réfléchi quelques secondes avant de répondre. Je n'ai pas vos émotions, pas celles que votre théâtre exige. J'avais 4 ans. Suite à cette brillante note, j'ai été pris en charge par les services sociaux. Avec l'accord de ma mère. Services sociaux de merde. Acquis au laxisme, à l'écoute de l'enfant, au laisser-faire. Je n'avais pas besoin de ça. Cette saloperie d'éducation trop molle pousse l'ambitieux à chercher ses limites. Sans contrainte, on ne peut rien construire. Évidemment, j'ai idéalisé l'autorité. Évidemment, j'ai longtemps cherché à la rencontrer, cette figure du policier que j'ai fini par incarner. Pour donner aux enfants du marxisme les limites qu'ils ne se sont jamais fixées. En attendant, j'esquivais ce monde qui n'était pas fait pour moi. Armé de mon seul sourire, qui m'a servi à couper court à toute situation dérangeante, à fuir ceux que je ne maîtrisais pas. Avec un beau sourire, vous pouvez apitoyer et soumettre à peu près tout le monde. Connaît-on un politicien qui ne sache pas sourire, qui ne sait dissimuler, ne sait régner? À 15 ans, je suis un mauvais garçon. J'ai été exclu 2 jours de l'école. En décembre 1994, je suis interpellé dans un train en provenance du Danemark avec 43 bombes de peinture. Ma mère ne savait pas que j'étais au Danemark. Ça me vaut quelques ennuis avec la police. J'avais déjà été arrêté 2 fois en début d'année pour des graffitis. En apprenant ça, mon père décide de couper tout contact avec moi. Il n'a jamais rien compris. C'est lui que je voulais. Je le lui ai signalé plusieurs fois. Il m'a tourné le dos et il est parti encore. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit au téléphone ce soir-là, avant de couper les ponts. C'est comme ça que tu nous remercies ? De quoi devrais-je le remercier ? De m'avoir abandonné ? Pauvre connard incapable d'assumer. J'aurais voulu qu'il prenne les choses en main, qu'il joue son rôle. Il m'a tourné le dos, il a fui. Quand j'ai appris qu'il me reniait, ça ne m'a pas étonné, pas du tout. Il a renié toute sa vie son statut de père. Il est logique qu'il renie son fils. C'est peut-être aussi pour ça que je méprise tant le marxisme. Son chantage affectif permanent, son renoncement à toute responsabilité, c'est le principe du socialisme. Aimez l'État, l'État vous aimera. Vous êtes trop dépendant et empoté pour élever votre enfant, l'État y pourvoira. Pendant des années, j'ai élaboré mon plan, le terme de mon immense ambition. J'ai toujours eu confiance en mon cerveau. J'avais la capacité de frapper un grand coup, de leur montrer qui j'étais, que j'avais raison. Je voulais mettre le monde à genoux, devenir grand, devenir beau, exploser cette putain de timidité, cette saloperie de petit Anders tout minable, tout suiviste, tout soumis. Je n'ai jamais toléré que d'autres me ressemblent. Je voulais devenir le commandeur Breivik. Je suis particulièrement frappé par son manque d'empathie. Il dit en avoir pour ses frères et sœurs les nationalistes. Les autres sont des objets catégorisés, inanimés. Il rationalise toute émotion et imperméable à la critique et méprise ceux qui le dénigrent. Il ne s'intéresse pas aux gens, mais à la manière dont ils le perçoivent. Enfant,
il était complexé par un tas de choses, son strabisme, sa peau laiteuse, ses boutons, sa maigreur, sa timidité maladive, à la mesure de sa volonté de puissance démentielle obsédante. Il a toujours eu horreur des gens, il se réfugiait dans sa tête, dans des machines, dans des stratégies, dans des mots, dans des systèmes, dans son imagination. Il a fait de la musculation après des stéroïdes, derrière son sourire désarmant, il s'est construit un système de pensée inattaquable. À l'extérieur, il souriait, disait aux autres ce qu'il voulait entendre, service minimum. À l'intérieur, il avait raison et il les méprisait tous. Breivik a subi une opération corrective du nez en 1999 aux États-Unis. Selon certains, pour avoir un nez arien, selon lui, parce que trois musulmans le lui ont fracturé dans une boîte de nuit. Il est clair qu'il voulait, en apparence, ressembler à tout le monde, si possible en plus soigné. Il m'a dit avoir regretté son opération de chirurgie plastique, car il pensait jadis avoir un beau nez nordique. Cela dit, peu avant Utoya, il songeait à une autre opération, cette fois pour se dégraisser les joues. Les stéroïdes leur donnaient un aspect flasque qui ne lui plaisait pas du tout. Il a également songé à se faire redresser quatre dents. Il m'a assuré avoir des émotions. Il prétend dépenser une énergie considérable pour n'en pas montrer. Il a été bouleversé en apprenant la maladie de sa mère, et toujours selon lui, il a pleuré plus que quiconque aux funérailles du frère de son meilleur ami, Peter. En y réfléchissant, il pense que les gens pleurent par conformisme et qu'à son procès, les spectateurs font semblant de se sentir concernés, d'avoir suffisamment de morale pour se faire couler de l'eau salée sur les joues. Il a ajouté que c'était du théâtre et que rien ne séchait plus vite qu'une larme. Je lui ai demandé si ça lui faisait de la peine de perdre ses amis. Voici sa réponse. Avec le recul, je crois que l'amitié est un truc stratégique, politique. L'amitié, c'est avoir des gens sous la main qui nous valorisent par leur attention et qu'on valorise par la nôtre. C'est toujours déséquilibré, l'amitié. En secret, il y a toujours un des amis qui est content d'avoir le pouvoir, l'autre de le subir. Les meilleurs amis sont tout à fait remplaçables. Ils sont vaguement nécessaires, parce que l'homme est un animal de troupe. Ce n'est pas pour rien que l'exil ou la prison sont les sanctions suprêmes. Mais quand on fait Utoya, on n'en a plus besoin. Il serait même gênant. J'absorbe tout, je dépasse tout, je deviens trop gros pour eux. Ce ne sont pas eux qui s'éloignent, ils disparaissent sous l'éclat de ma lumière. Ce qu'ils pensent en ce qu'ils sont n'a plus aucune importance. Je me suis élevé au-dessus. Comment personne n'a pu être alerté par un tel discours ? Peut-être parce que Breivik ne l'a jamais tenu jusqu'au 22 juillet 2011. Socialement, nous avons tous de multiples personnalités. Sur Internet, il avait 5 comptes Twitter, 3 comptes Facebook, 21 adresses mail. Face à notre miroir, avec nos parents, nos amis, nos collègues, nos patrons, nous ne sommes pas les mêmes. Chaque groupe social implique une nouvelle adaptation, une nouvelle hiérarchie, un nouveau comportement. Ces groupes ne nous influencent que très peu. Notre personnalité fondamentale s'y adapte, tout simplement. Selon l'occasion, Breivik a pu présenter son côté festif, chaleureux, euphorique, sérieux, arrogant, progressiste, conservateur. En cela, il est exactement comme nous. Le hasard des affections. Cette forme extrême de cerveau masculin, proche de l'autisme, se caractérise par un esprit de systématisation obsessionnelle et une absence totale d'empathie. Simon Baron Cohen. Quand je lui demande s'il est raciste, il a encore le réflexe de jouer un rôle, de s'offusquer d'un air sincère,
Quelle horreur que le racisme! Oh non, je ne suis pas raciste, surtout pas. Il dit avoir eu des amis musulmans, s'être très tôt intéressé à l'islam, être tolérant et ouvert d'esprit. Comme il est intelligent, il a réussi à s'adapter à la rue hier, à la psychiatrie aujourd'hui. Il a réussi à tromper mes confrères et ce tribunal. Au sein du mouvement hip-hop, sous le pseudonyme Morgue, il a été l'un des meilleurs taggeurs de tout l'ouest d'Oslo. Il avait la reconnaissance, le pouvoir. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de cette situation? Pourquoi est-il allé chercher si radicalement son pouvoir ailleurs? La conformité relative des premiers engagements du jeune Breivik était sans doute loin de le rassasier. En général, les cons affirment que c'est la faute des armes. Les Suisses sont tous armés, ils ne tuent personne. Alors ce sont les jeux vidéo. Les Japonais, ils sont accros, ils ne tuent personne. Alors c'est le racisme. Les Norvégiens constituent sans doute le peuple le plus bêtement tolérant de la planète. Et si je savais qu'après le règne des travaillistes, nous risquions fort de périr de leur égoïsme destructeur? Et si le problème c'était l'islam, on se massacre dans toutes les terres d'islam. Et si le problème c'était le mélange, on se massacre aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, en Asie du Sud, parce que ces régions du monde sont gravement multiraciales. On se met à se massacrer en Europe pour les mêmes raisons. Je n'aurais tué personne si personne n'avait importé d'envahisseurs. Peut-être que j'ai décidé inconsciemment de me méfier des musulmans depuis mes 7 ans, depuis que le père d'un ami turc a détruit mon vélo. Peut-être que j'ai construit ma cohérence intellectuelle sur cet accident. A-t-il tout déclenché? Constitue-t-il la pierre fondatrice de la cathédrale? Celle qui conditionne toute la structure? Tout s'assemble trop bien. Une cathédrale ne se construit pas par hasard, sans la volonté précise et permanente d'un architecte. Il y a en moi un programme. Les raisons de mon décalage avec le reste du monde sont sans doute assez profondes. Cette société n'est que mièvrerie qui n'est qu'empathie, n'a jamais réussi à me réduire à elle. Bonjour. Les psychiatres m'ont observé des heures. Ils ont remarqué que je clignais beaucoup des yeux. Puis, étant donné que j'ai tué 77 personnes, ils m'ont diagnostiqué un déficit d'empathie. Avant et après Utuya, je me suis demandé plus d'une fois si je manquais naturellement d'empathie. Tirer ma première balle dans la tête de ce vigile fut le geste le plus insupportable de toute mon existence. Voilà la seule et unique réponse que j'opposais à toutes les spéculations. Mais à la réflexion, je crois savoir pourquoi j'ai eu tant de mal à tuer cet homme. D'une certaine manière, c'est sur moi que je tirais. La bombe avait quelque chose de virtuel, mais à l'instant où je tuais ce vigile, je me tuais avec lui, très concrètement. Fin de la vie civile, des projets, des amis, de la liberté. Je me coupais de tout. Je perdais tout. C'est ça qui m'a tant coûté lors du passage à l'acte. C'est d'abord ça. La folie elle-même est souvent une construction mentale très élaborée et étayée de quantité de preuves. Comment établir la folie d'un patient? C'est arbitraire. On définit les limites d'une norme empirique et on décide qu'au-delà de ces limites, le patient bascule hors de la responsabilité. La justice n'étant pas une science exacte, elle fait appel à la psychiatrie pour situer le point nommé Breivik sur un endroit précis du diagramme humain, à l'intérieur ou à l'extérieur de la normalité.
Le problème, c'est que la psychiatrie n'est pas non plus une science exacte. Ce qu'a fait Breivik a créé une sorte de frénésie de l'analyse. Pour nous rassurer, nous voulions absolument le caser quelque part, le classer. Sur un tel cas, on pourrait entendre 100 spécialistes, tout aussi renommés les uns que les autres, soutenir des thèses aussi convaincantes que contradictoires. Breivik a refusé une IRM en prison. Il trouvait ça insultant. Il n'a que peu de considération pour la psychiatrie, qu'il confond d'ailleurs allègrement avec la psychologie et la psychanalyse. D'après lui, seuls des psychiatres japonais ou coréens seraient à même de le comprendre. Eux ont le sens de l'honneur, du groupe, de l'ordre, de la patrie, de la solitude. Pour lui, les psychologues occidentaux sont la plupart du temps des gonzesses qui projettent sur leurs patients leur propre névrose, des arnaqueurs professionnels qui tirent un maximum de pognon en maniant des concepts symboliques pas plus vérifiables que compréhensibles. Et comme de toute façon on guérit de ces névroses à l'âge adulte, à condition de ne pas être une femme, le traitement semble toujours probant. La psychologie serait le placebo de notre société. Je dois dire que Breivik est un cas cliniquement intéressant parce que ses explications amènent toujours à réfléchir et parce qu'on a bien du mal à le catégoriser. Et du coup, on le case un peu partout. Je ne parle pas que des psychiatres. Un avocat vous dira qu'il a eu une enfance difficile. Un psychanalyste estimera que face à un complexe d'Œdipe insoluble, il n'a pu faire autrement que de tuer symboliquement le père absent, responsable de son blocage affectif. Réincarné dans le marxisme état, puissant et cruel. Un neurobiologiste vous expliquera que certaines des zones cérébrales de Breivik, moins développées que la norme, présentent des micro-lésions susceptibles d'altérer son jugement. Un anthropologue vous fera relativiser en vous expliquant que l'histoire humaine est essentiellement faite de massacres. Un psychologue recensera la somme des vexations et les accidents psychotraumatiques tacites ayant affecté de manière irréversible l'équilibre émotionnel du jeune Breivik. Un endocrinologue vous certifiera qu'un infime dérèglement hormonal est à même de décupler l'agressivité du sujet en le rendant chimiquement sourd à toute compassion. Un astrologue saura vous convaincre que le fait de naître sous le chiffre 5, signe de la chèvre, et la planète Uranus ne pouvait que se terminer par un brin de sang. La plupart des citoyens affirmeront que Breivik est un cinglé dont il faut se débarrasser. On ne peut pas dire que de ces analyses qu'elles sont fausses ou qu'elles sont justes. Quand j'examine un patient et que les symptômes sont évidents, je peux affirmer qu'il souffre ou non de telles pathologies. Les schizophrènes représentent 0,5% de la population. D'après nos voisins suédois, ils commettent 5% des crimes. Pour moi, Breivik répond aux critères de la schizophrénie. Simple. La schizophrénie simple. Repli autistique dans un monde intérieur, appauvrissement des relations socio-professionnelles. Peu ou pas de symptômes délirants, Breivik présente un caractère solitaire, obsessionnel, peu ou pas réceptif aux émotions d'autrui, et dont les perceptions du monde sont sans rapport avec la réalité. Cette forme bénigne de schizophrénie évolue fréquemment vers un tableau plus grave. L'étape supérieure que l'on nomme schizophrénie paranoïde est celle des délires hallucinatoires. De très nombreux symptômes manquent à Breivik pour avoir l'honneur de franchir ce palier vers l'irresponsabilité. Anhédonie, alogie, ambivalence, apathie, schizophasie, déréalisation, dépersonnalisation, hallucination. Il n'a rien de tout ça. Sa manière de rejeter toute contradiction et son apparente passivité peuvent suggérer une catatonie partielle. On peut interpréter le pouvoir destructeur qu'il prête au marxisme et
sa volonté de changer le monde comme des délires. Mais Breivik est bien trop structuré et systématisé pour rentrer dans cette case. Un traitement antipsychotique serait par conséquent inapproprié. Dans ma cellule, j'ai pris connaissance des travaux du psychologue Simon Baron Cohen. Une révélation, l'explication de tout ce que je suis. Ma théorie du hasard en a pris un coup. Baron Cohen a remarqué que, statistiquement, les femmes avaient un cerveau empathique et les hommes un cerveau systémique. Certaines femmes ont un cerveau très féminin. Certains hommes ont un cerveau très masculin. J'ai un cerveau ultra masculin, comparable à celui des autistes de haut niveau. Je systématise tout et j'ai très peu d'empathie. Je conçois les relations sociales comme un système. L'être humain est un système. Tout est système. J'ai passé ma vie à étudier et à décrypter ces systèmes qui m'obsèdent. Un esprit ultra systémique n'est pas malléable. Je suis extrêmement têtu, buté. Mais dans la discussion, je n'en laisse rien paraître. Je ne suis pas autoritaire. J'écoute poliment mes contradicteurs, mais aucun d'entre eux n'a jamais ébranlé mes convictions. Je peux faire preuve de finesse, de diplomatie, mais ce n'est que pour mieux arriver à mes fins, en mon fort intérieur. Je n'admets jamais mes torts. Je défends jusqu'au bout ma position, parce qu'elle est mon pouvoir. Concéder, c'est céder. La parole m'est insupportable. Une discussion n'est jamais aboutie. C'est une corvée. L'écriture, en revanche, est un système d'expression directe, absolue, complet. Seul dans ma tête, j'ai créé mon système de pensée. Je l'ai exprimé avec des mots. Je l'ai imposé par mon acte. Il est clair que Breivik est un hyper-systémiseur. Qu'il répond à la catégorisation extrême mal brain, conceptualisée par Baron Cohen. Il est pragmatique, analytique, stratégique. Il a une très forte exigence intellectuelle, une excellente mémoire, à un degré effrayant et inhabituel, selon un enquêteur. Le monde, selon Breivik, est stratifié sans nuance. Un de mes confrères l'a résumé comme ça. Extrême spécialisation dans des sujets tels que les armes, envie irrépressible d'écrire, travail obsessionnel pendant des années, manière étrange et stéréotypée de s'exprimer, ramène toute conversation à ses thèmes de prédilection, même si on l'interrompt. Jouissance préconsciente ou inconsciente issue des longues et minutieuses préparations du manifeste et du scénario meurtrier. Il aime la stratégie, la mécanique, la technique, la systémique et par-dessus tout le pouvoir. C'est cette prédisposition mentale qui l'aurait poussé à planifier et à préparer seul l'attentat le plus sophistiqué qui ait frappé cette partie du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce serait hormonal, l'exposition à la testostérone fœtale est corrélée avec le souci du détail, la minutie et des traits autistiques comme la systématisation, la solitude, l'absence d'empathie et le retard de développement social. Selon les endocrinologues, il y a un moyen simple de vérifier si nous avons été exposés à une grande concentration de testostérone fœtale. Comparer la longueur de notre index à celle de notre annulaire. Chez la plupart des hommes exposés à des quantités normales de testostérone réceptionnées normalement, l'index est plus court que l'annulaire. Chez les homosexuels et les femmes, c'est l'inverse. L'annulaire de Breivik est très long, presque aussi long que son majeur. Ça implique
de plus hauts revenus, une plus grande intelligence, une volonté plus forte de gagner, une importante capacité de travail, le goût du risque et de la violence, l'intolérance à la critique, égoïsme et compétition. Il y a peut-être une part de vérité dans ces théories qui peuvent s'appliquer à de nombreux VTB. Pour Breivik, ils sont la vérité absolue. Sans surprise, son adhésion y est totale, dépourvue de la moindre nuance. Selon un spécialiste du crime, on ne naît pas tueur en série, on le devient. Je crois pourtant que je suis né comme ça. Je suis né avec cette volonté de puissance démentielle et je suis né avec une personnalité qui ne permettrait pas d'exprimer cette irréfragable volonté autrement qu'en tuant des gens. La résolution de la problématique de ma vie passait par la mort d'autrui. Infernale équation. Bref, je suis un mal alpha. Pas sûr que ceux du Toya soient des mal alpha. Pourquoi ai-je été exposé à autant de testostérone? Pourquoi l'ai-je si bien assimilé? Le hasard des affections. L'hormone masculine, c'est la clé. La testostérone façonne le cerveau, influence tout. Prédit la volonté de puissance. La testostérone, c'est l'hormone du pouvoir, de l'obsession du système. Les garçons sont adeptes des systèmes. Avec obsession, ils jouent aux échecs, au Rubik's Cube, à Tetris. Aux jeux de stratégie, ils sont passionnés par la mécanique, l'informatique, les mathématiques. Les autistes sont des garçons, presque toujours. Une étude a montré que les geeks manquaient d'empathie et voyaient les femmes comme des objets sexuels. Les geeks sont des garçons. L'action est un caractère masculin. 95% des enfants hyperactifs sont des garçons. L'exagération est un caractère de mâle. Aucune femme ne se vantera un jour d'avoir pêché un poisson long comme le bras pour chercher à s'imposer. Le mâle est un mythomane du quotidien. A l'inverse, le caractère hystérique est très féminin. L'histrionisme en particulier. La dépression aussi. Les femmes dépriment beaucoup plus que les hommes. De toute ma vie, je n'ai jamais déprimé. Je n'ai jamais été sensible aux compliments ou aux réprimandes. Tout ça est lié aux relations sociales, à l'empathie. Ce n'est pas culturel. Les coachs, les joueurs professionnels, les traders, les chefs d'entreprise ont un taux de testostérone supérieur à la normale. La testostérone conditionne le risque pris pour dominer. La distance de fuite d'un taureau et d'une vache n'est pas la même. Vouloir le pouvoir ou ne pas vouloir le pouvoir. Pour agir, j'ai pris des risques sociaux, physiques et moraux considérables. Au minimum, je perdais ma liberté, à peu de choses près. J'y laissais ma peau. Utoya, c'est un pari gagné. Le risque est une question d'investissement. Comme les empereurs romains en leur temps, quasiment tous les dictateurs modernes finissent très mal. Pourtant, ce ne sont pas les candidats à la dictature qui manquent. J'ai toujours eu le goût du risque. J'ai été un gros investisseur. C'est ce qui m'a permis de placer beaucoup d'argent et de gagner gros, quitte à parfois essuyer de grosses pertes. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour une omelette de marxiste, il faut investir très gros, mettre sa peau sur la table. Quand je me contentais de m'énerver sur internet, mon investissement était minimal. Au pire, mon pseudonyme se faisait humilier sur un forum de discussion. L'investissement était déjà plus important quand j'ai intégré l'Ordre du Temple en 2002. Il est devenu maximal le 22 juillet 2011. Apothéose de 9 années de préparation. Il ne faut pas confondre le courage et l'inconscience. Sur Utoya, à chaque instant, j'étais inconscient des risques que je prenais. Je savais qu'un tireur de précision pouvait m'abattre. En particulier quand j'ai tué mes dernières cibles sur la pointe du sud de l'île. J'attendais que cet hélicoptère qui me tournait autour porte le coup fatal. Ce n'est pas arrivé. Je suis allé au bout. J'ai été arrêté. J'ai bénéficié du procès. Investissement maximal, gain maximal. Toute la construction de mon acte exige du risque, de la solitude, de la minutie et de l'obsession.
La testostérone joue également sur le mental, la ténacité et l'endurance. Pas de génie sans couilles. Ce sont eux qu'on admire. Thalès, Newton, Gauss par exemple. Des cerveaux ultra-masculins, insatiables de rigueur, de travail et de curiosité. Mus par une volonté de puissance extrême. Servis par leur exigence intellectuelle démesurée. Leur attitude autistique. Leur esprit de système intégral. Le cerveau ultra-masculin ne souffre aucune empathie. Ne tolère aucune distraction. Alors qu'on venait d'annoncer au mathématicien Gauss, en plein travail, que sa femme était sur le point de mourir, il répondit « Dites-lui d'attendre un moment que j'ai fini. » De tels cerveaux ont pensé et compris le monde. L'intelligence occidentale a poussé l'humanité vers la complexité et la systématisation. Les mythes, les religions, les théories, les grandes découvertes, le sport, les classifications, l'astronomie, la physique, le génie civil et militaire, l'urbanisme, les jeux, l'architecture, les mathématiques, la mécanique, l'écriture, la stratégie, la technologie, la théologie, la médecine, l'art, l'informatique. Tout système est l'assimilation d'un ordre au service du pouvoir. Les hommes sont toujours plus intelligents que les femmes dans tous les domaines qu'ils ont inventés. C'est-à-dire, dans tous les domaines. Qui connaît une seule invention de femme ? Même en gastronomie, en coiffure ou en couture, elles sont laminées. Elles savent coiffer, cuisiner ou coudre, ça oui, comme elles savent chanter ou tapisser leur chambre. Mais elles ne composent pas, elles ne créent pas. Presque jamais. Pensez aux scientifiques, aux peintres, aux sculpteurs, aux poètes, aux architectes, aux compositeurs. L'invention, c'est systémique. C'est un truc d'homme obsédé. De membres permanents de la caste des génies. Il n'y a pas de femmes là-dedans. Peu de femmes sont obsédées et solitaires. Peu de femmes ont notre capacité à se couper du monde. Une femme ne peut pas vivre seule et jouir de sa solitude. Les ermites sont des hommes. Aucune femme n'a une volonté de puissance comparable à la mienne. L'homme produit 50 fois plus de testostérone que la femme. La reine Victoria, qui abhorrait le féminisme, affirmait qu'une femme ne pouvait réussir qu'avec un cœur d'homme, selon leur degré d'exposition à la testostérone prénatale. Des femmes peuvent hériter d'un cerveau masculin. Elles sont rares, plus rares encore sont celles qui dispose d'un cerveau ultra-masculin. Margaret Thatcher en était une. Marie Curie en était une autre. Elles sont des exceptions, comme les hommes dotés d'un cerveau ultra-féminin. Notre époque ne tolère pas ça. Elle veut du 50-50. Quand le président d'Harvard fait remarquer que les femmes ont moins d'aptitude que les hommes à être des scientifiques de haut niveau, quand le comité mathématique Fields, le plus prestigieux du monde, déplore n'avoir jamais eu l'occasion d'attribuer sa médaille à une femme, quand on ne peut que constater que les hommes écrasent les femmes dans tous les domaines systémiques, ça scandalise. On prétend que c'est une confiscation, une injustice faite aux femmes. Les pauvres petites n'auraient pas les moyens d'échapper à la domination masculine. Les ovaires sont devenus l'excuse de celles qui ne réussissent pas. Pour réussir, il faut travailler énormément. On s'investit à la mesure de notre taux de testostérone. Ça explique au passage pourquoi les sports ne sont pas mixtes et pourquoi un tel écart de performance est observable dans toutes les disciplines sportives. Il est temps d'arrêter de nous les briser avec les compétences égales et la parité. Une poignée de connasses ambitieuses ont réussi en ce nom à imposer le 50-50 pour être sûr de se retrouver dans le bon wagon. Il n'y a pas plus grande escroquerie. Les femmes sont moins enclines à la prise de risque dès leur plus jeune âge. Statistiquement,
Elles ont moins d'accidents graves, elles sont moins violentes que les hommes, elles ne font pas de bonnes stratèges, de bonnes dirigeantes, de bonnes meneuses, de bonnes aventurières, de bonnes combattantes. Bref, elles sont d'abord des bonnes femmes. Elles parlent, elles arrangent, elles tempèrent, elles manigancent, elles manipulent, elles intriguent. Elles gèrent les choses de la vie, elles sont essentielles, c'est évident. Mais elles ne seront jamais des hommes. La femme est un être social fait pour la jactance, l'entretien du logis, la cohésion du groupe, l'élevage du marmot, leur intelligence est langagière et émotionnelle. Elles savent réconforter, compatir, jouer la comédie, vous culpabilisent et vous font du chantage affectif comme personne. Dès les premières heures de la vie, elles regardent plus longuement les visages, alors que l'attention des garçons est retenue par les objets. Elles décodent plus vite les expressions faciales. Puis, elles parlent davantage. Elles sont moins attirées que les garçons par ce qui roule, ce qui est mécanique, ce qui est violent. Les garçons préfèrent l'opposition, la compétition, valorisent le statut social. Les filles préfèrent les relations altruistes, intimes et réciproques. Aux grandes dames des égalitaires, les femmes préfèrent la psychologie et le langage aux sciences dures, d'où leur réussite actuelle en politique, politique qui, tout le monde sera d'accord pour l'admettre, se résume à de la communication, bref, de la jactance et de l'émotion. Vouloir rendre les femmes égales aux hommes dans un monde systémique, c'est de la démence sévère. La chute assurée de ce qui reste de notre civilisation, sa castration irrévocable. Une femme sur 10 a un cerveau à peu près masculin. Une sur 10 000 doit avoir un cerveau ultra masculin. Les femmes intelligentes, c'est comme les femmes à barbe. Ça existe, mais c'est de l'ordre de la curiosité biologique, du phénomène de foire. Je suis plutôt doué pour piger des concepts. Je n'ai jamais compris la moindre gonzesse. Avec elle, je ne faisais que des gaffes. Je ne comprenais rien à leur jeu. Je ne voyais jamais rien venir. Leur fixette sur les dates, leur test à la con, leur exigence débile, leur mou piégé. Elles sont faites pour qu'on ne les comprenne pas. C'est l'éternel féminin, le maquillage sur la viande, la complexité relationnelle sur les évidences de la vie. Ce qui fait qu'elle nous attire malgré tout, parce que se les taper devient un challenge, et faut bien qu'on se perpétue. Elles ne nous comprennent pas non plus, mais le but de leur vie, c'est de réfléchir sans jamais comprendre, de passer par toutes les émotions en cherchant ailleurs une voie qui n'existe pas, puisque c'est ça leur voie. Des hommes ont pigé ça, ils ont inventé les confessionnaux, puis les divans et les téléphones, pour taxer leur débit de conneries. Pourquoi les femmes sont si malheureuses? Parce qu'on leur a fait croire qu'elles devaient prendre le pouvoir des hommes. Une femme n'aimera un homme dominé pas davantage que son cheval. Notre époque veut des génies sans couilles, conformes à la pensée progressiste. Elle va les attendre longtemps. Le taux de testostérone n'est pas un droit de l'homme. Ce jeune travailliste que j'ai épargné sur Utoya, Adrien, en l'observant à travers ma lunette de visée, en quelques secondes, j'ai déduit de ce type qu'il avait un potentiel, qu'il n'était pas un gauchiste normal. Je me suis vu en lui. Quatre mois après Utoya, ce brave Adrien a frôlé la prison. Il a agressé son compagnon à grands coups de pied dans la tête, puis a frappé une femme qui tentait de s'interposer. Du fait de son statut de survivant d'Utoya, il n'a écopé que d'une amende. Ce fait divers confirme son potentiel. Le journaliste qui l'a aidé à écrire son bouquin sur Utoya, Le cœur contre la pierre, expliquait qu'Adrien avait réellement des similitudes avec moi. Homosexuel dans une famille très catholique, il s'est senti rejeté par la société et s'est replié sur lui-même. Mais lui, il a choisi le parti travailliste.
C'est un manque de couilles qui a emporté la décision. Si son taux de testostérone avait été plus élevé, lui et moi serions frères de sang dans le mâle. La société n'y peut rien. Même avec force, discrimination positive, un bœuf ne devient jamais un taureau. L'égalité impose la suppression des couilles, à la naissance si possible. C'est le programme, l'éducation asexuée, le genre choisi, tout ça. Récemment, les femmes de l'armée suédoise ont obtenu de la Cour de justice européenne que l'on supprime les attributs du lion figurant sur le blason du battlegroup nordique. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tas d'imbéciles. Élever toutes les filles du monde comme égales des garçons, comme le font les Suédois, elles n'auront pas de médaille Fields pour autant. Elles n'enfuiront pas moins le monde systémique. La seule manière de les changer, de leur faire perdre leur empathie, c'est de leur administrer une injection de testostérone. L'empathie, c'est un truc de gonzesse et de castré. C'est l'uniforme des marxistes. La psychopathie et l'absence d'empathie conjugué à une très forte volonté de puissance. Les psychopathes sont très largement des hommes, et je crois que les grands génies sont des psychopathes. Ils travaillent toute leur vie pour impressionner les gens, pour les dominer, pour qu'ils se prosternent devant leur maîtrise. Je suis comme eux, j'ai la même volonté de puissance. Je veux qu'ils adhèrent, tous ces gens. Je veux exercer sur eux ma force de marée. J'ai besoin d'eux. Un taureau solitaire ne vaut pas mieux qu'un bœuf accompagné. Je veux qu'on se prosterne devant ma maîtrise. Dans mon camp, il n'y a que des honteux et des cinglés, incapables d'entreprendre et de réussir. L'extrême droite norvégienne est une nébuleuse qui ne pèse rien. J'ai voulu la dépasser, devenir supernova. Au moins briller une fois aux yeux du monde, fût-ce en explosion. Plusieurs fois, dans ma tenue de policier, je me suis demandé si j'étais vraiment en train de mener mon opération. J'étais impressionné par moi-même, fier. Les gens peuvent me haïr, mais pas rester indifférent à ce que j'ai fait. J'ai échappé à ma castration. Aujourd'hui, je suis enfermé, comme la plupart des taureaux de compétition. Mes écrits sont aussi précieux que leur sperme. Mais j'ai été libre. J'ai connu la liberté. En quelques minutes, j'ai exprimé ce que j'avais dans le sang depuis 30 ans de clandestinité mentale. Ça valait le coup. Dès le début du drame, dès la première note de ce psychologue, dans son passé familial, dans son passé politique, dans son passé sentimental, dans cette lente mais sûre ascension vers le crime final, l'histoire semble écrite. Elle ne pouvait que mal se terminer. Cette tragédie de 32 ans a éclaté aux yeux du monde le 22 juillet 2011. Et c'est peut-être ça le plus terrible. Comme dans tous les drames, avec le recul, les acteurs secondaires paraissent impuissants, inutiles, jamais en mesure d'inverser le sens de l'histoire. Le système de pensée de Breivik, oppressant et absolu, ne pouvait que le mener à une confrontation violente avec cet univers qu'il exècre. Le drame d'Utøya était inexorable. Personne d'autre que lui ne doit se sentir coupable de ce qui s'est passé. La créature Anders Behring Breivik est son propre docteur Frankenstein. Anders Behring Breivik est un cas rarissime, voilà ma conclusion. Il est et restera un individu dangereux, inaccessible à un traitement psychiatrique, pleinement responsable de ses actes. Sans agressivité, pas de sélection. Sans sélection, pas de vie. La haine est aussi essentielle que l'amour. L'un ne s'interdit pas plus que l'autre. Au fond, on le sait, le monde empathique, c'est la mort.
n'avoir que des amis, c'est la mort. Ce qui fait la force de la communauté juive est l'acharnement du monde contre elle. Nous n'avons plus d'ennemis, plus personne ne se sent solidaire de quoi que ce soit. La haine, c'est la survie. J'ai lu récemment que les Israéliens se disaient bien plus heureux et patriotes que les Européens. J'ai choisi d'assumer la haine. Breivik ne le sait pas encore, mais en tuant tous ces gens, il vient de réduire à néant sa propre existence. Plus rien ne satisfera désormais son appétit de puissance. C'est une sorte d'overdose sur l'île. Il agit sans penser, parce qu'il sait que ses actes lui seront profondément nocifs. Ici, au tribunal, il est en représentation. Mais il a été son propre bras séculier. Utoya est sa véritable condamnation. Il sera rattrapé par les faits. Il va payer très cher le prix du sang qu'il a fait couler. Comme dit le proverbe, le meurtre laisse derrière lui un vomissement qu'un jour il faut boire. Ma mère, c'est la Norvège. J'ai choisi de me lever et d'agir, de devenir le cri de toutes les colères, de tout gagner et de tout perdre en même temps. Mon crime est un crime d'honneur. C'est refuser d'accepter que l'on viole ma patrie. Arès a vengé sa fille violée sur l'aéropage en tuant son agresseur. Réunis sur la colline du crime, les dieux ont décidé qu'il n'était pas coupable. Si Thor, Odin et les autres se réunissaient sur Utoya, ils décideraient que je ne suis pas coupable. Mais la bêtise humaine est à l'abri de la sagesse des dieux.